Et c'est parti, c'est bon, ça enregistre, donc on peut reprendre la partie de la dernière fois sur ce magnifique jeu. Il va falloir que je me refasse à l'idée de faire clic droit, clic gauche. Là. J'avais dit à plus tard, et il avait eu du mal à comprendre ce qui se passait. Donc du coup, je vais remonter le son du jeu aussi. Voilà, histoire que on entende correctement et qu'on soit dans l'ambiance. C'est dans le jeu ce truc là? Ah oui, c'est dans le jeu. Je me demandais ce que c'était le truc sur le coin, mais c'est... C'est un bout de la combinaison que je dois porter, j'imagine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben je ne sais plus en fait, je peux pas remonter l'historique. Il ne reste qu'absolute femme force dans la numéro 1 premier boss. D'accord. Journal de bord. Ouvrir le journal de bord. Il y a des journaux de bord partout. Bonsoir, Puff, Kenan qui fornique le bureau. Le fond vert et la lumière foireuse. Qui est comment ça Kenan fornique le bureau? Je suis pas au courant. Hein. Ouvrir le journal de bord. Alors je sais jamais dans quel sens que les gars. On va voir comme ça en fait. Enregistrons, volet fermé, volet ouvert, volet fermé. Je ne peux pas croire qu'à... Données corrompues, fichier manquant, volet fermé, fichier manquant, fichier manquant, volet ouvert, volet fermé. Il y a comme des bruits de... d'animaux au loin. Je viens de calculer ça. Kaizen 85 unités. Ah, unité connectée, utilisatrice reconnue. 26. Ah non, il y a à nouveau un truc de profileur. Ah oui, parce qu'il y a à nouveau une chambre. Donc du coup, on peut ouvrir le profileur ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je viens de trouver. Je vais voir la caserne, je pense pas qu'il me manque, c'est qu'une femme ne peut pas mentir. Toutefois, détruire le moteur, il n'est pas dangereux. Je vais calculer chez une nouvelle fois, je suis à court de papier pour moi. Mais il ne va pas. Alors est-ce pas ajusté, quel point sur la piste électrique? On est là depuis assez longtemps. Pour que nous ayons remarqué depuis le temps. Je ne pense pas, le moteur est l'œuvre de ma vie. Il ne peut pas être détruit, je refuse. Mais tu es en train de me forcer à mourir avec toi? Non, j'essaie juste de pirater notre ami synthétique. Produit comme ça, en attendant, j'ai changé mon passe de passerelle. Tu as fait quoi? Tu es folle! Tu es dans le corps de ce foutu ordinateur? Tu ne vas regretter, Nandi. Tu me connais, ce n'est une subordination, j'imagine. Va te faire foutre, j'emmerde ITS, je rentre chez moi. Nous verrons à... Ah, il y a un truc. Ah bah d'accord, si... Kaizen, où puis-je trouver plus de papier? Je commence à en manquer, je suis ici pour aider. Identifiant effacé. Es-tu intelligence artificielle de ce vaisseau? Où est la recharge? De ce que je sais, toutes les recharges de se garder la cabine des passagers, eh bien, il n'y en a plus dans le monde. J'ai un papier dans le monde, plus que ça. Je peux vous écrire. Une femme des cavernes, bien sûr, l'instant. C'est vous deux, mais c'est parce qu'on a Si 1, Mi 2, Fa 2. Kaizen85.sh. C'est quoi Kaizen85.sh? Parce que c'est pas le même que le normal. Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que... Pas l'intérêt, je crois que Kaizen est cassé. Peut-être qu'il cherche à compromettre le Nautilus pour se débarrasser du moteur. Je ne pense pas. J'essaie de rapprocher le micro. Je ne pense pas. Nous devons avoir le cœur net. Je sais que nous ne sommes pas d'accord. Il faut vraiment que je remonte mon micro en fait, hein, parce qu'on ne doit pas m'entendre masse. Je regarde le vue-mètre. Là, vous devriez m'entendre correctement. Je ne pense pas, nous devrions avoir le cœur net. Je suis en train de régler un peu ma voix
aussi dans le retour parce que je ne l'ai pas fait avant. Oula, c'était désagréable ça, je suis désolé. C'était très désagréable pour moi en tout cas. Comme ça peut-être? Non, non. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai aucune... Ah voilà, je préfère ma voix comme ça. Un peu moins peut-être. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas mal. Nous devons avoir le cœur net. Je ne sais pas, nous ne sommes pas d'accord à propos du moteur. On ne peut pas mettre en péril la Nautilus, j'imagine. Vérifier l'état de l'antenne, je suis très occupé. Parle plus fort. Eh ben voilà, c'est bon là, non? Ma voix devrait être correcte. Je ne sais pas ce que t'en penses. Fichier manquant, fichier manquant. Non. Sacrée retransmission. J'ai pas compris. Donc Kaizen. Il y avait un Kaizen 85 ou un truc comme ça. Kaizen underscore 85. Ouais, non, il me parle de l'ascenseur. Donc si je fais ça. Entrer une adresse mémoire, bah on va rentrer la même à nouveau. Ah, il connaît pas ici. À moins que j'aie mal rentré. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, non. Si 2, mi 2, fa 2. Si 1 d'ailleurs. Je me gratte le dos. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas comme ça qu'on quitte. Oh, pourquoi j'ai un lag comme ça? J'avais pas ce lag avant. Voilà, il y a une chambre. Origami, oiseau en papier. Pourquoi j'ai un vieux lag? Ah, c'est ça la sonde. Ah, par contre, là, ça va être l'enfer si ça continue comme ça. Je vérifie, hein, parce que comme c'est sur le shadow, je vais vérifier comment ça se comportait. J'ai l'impression que non, c'est fait exprès. Il y a beaucoup d'origami. Il y a... des recherches. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un bloc-notes. Foutue lumière foreuse. Ça, je sais pas si c'est l'ascenseur ou si c'est l'endroit... Non, je pense que c'est l'endroit où j'étais, c'est le sas. Ah, là, il y a un truc. Dessin technique d'une sonnerie percutant une fenêtre. Calcul de durabilité des fenêtres. D'accord, il y a ça là, je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un aspirateur qui tourne en rond. Ok. Putain, mais pourquoi j'ai cette espèce de... de mouvement foireux là, c'est à cause de la combinaison, je suis sûr. Ouvrir D12. Ben, je connais pas l'adresse mémoire sur celui-là, hein. Donc c'est un peu foireux. Ah, mais non, ça y est, je sais. Je l'ai l'adresse mémoire. Eh, je suis malin, ok? Profileur.sh. D'accord, bah, je vais quand même essayer. Je pense que ça, c'est une adresse mémoire. Parce que 3, 4. On va mettre 5 du coup. Non, attends. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc si c'est un. Ah, attendez que je me rappelle. C. A, B. B. 1. Mi. E. 2. Fa. F. 2. Pas du tout. Ça ne marche pas. Alors, j'ai tenté. Moi, ça me paraissait bon, mais ça va pas être ça. Appeler l'ascenseur. Bah, appeler l'ascenseur. Tout à l'heure, t'as dit je peux appeler l'ascenseur. Quelle fenêtre? D'accord, en fait il me dit. Et la fenêtre? Mais quelle fenêtre? Bon, écoutez, moi je veux bien vous laisser casser sa fenêtre. En fait, il me donne un plan auquel je n'ai pas pensé. Casser la fenêtre. Une arme? Mais je vais juste casser la fenêtre. Comment casser la fenêtre? La sonde? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Elle a laissé une espèce de je sais pas ce que c'est ça, un boulet, une lampe. C'est quoi ça? En tout cas, j'espère que cette espèce d'inertie chelou est vraiment due à la combinaison parce que c'est casse-couille. Hein. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Là, il y a des bouts de trucs. C'est quoi? C'est un cutter? Ah, des pinces, une pince. Une boîte de vis. Bah, peut-être avec les pinces, ouais. Les pinces. Je peux casser la fenêtre avec la pince. Ah oui, t'as raison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a laissé. On n'est pas allé voir la pièce là-bas. Je vois pas avec quoi je peux casser la fenêtre. Je ne trouve pas comment casser la fenêtre. Les lampes? Ça ressemble à une lampe. Hein.
Ah, donc c'est carrément une sonde hélice. Pirater une sonde hélice. Ben, je me demande, hein, les origamis, il y en a quand même partout, donc ça me paraît bizarre que ça soit pas important, mais utiliser la sonde Helix pour casser la fenêtre. Ah, donc c'est bien ça. Je ne sais pas. Il y en a une, arrête de se gratter, c'est casse-couille. Bah c'est ça, mais enfin moi je me, me disais, c'était quoi, Kaizen 85.sh? Ah oh, merde, ça fait 4 fois que je vérifie, tu me saoules. L'aspirateur, le chandelier dans la buanderie, ouvrir le journal de bord. Mais... Il me casse les couilles. Je l'ai lu le journal de bord. C'est juste que je... il me semble pas qu'il y ait quelque chose. Le nom d'un programme ou un truc comme ça. Enfin, il me semble pas. Là, il y a Kaizen 85. Voilà, Kaizen 85. Si 1, mi 2, fa 2. Ou alors c'est chargement utilisateur, le nom du truc. D'accord. Bon, est-ce que je dois mettre si 1, mi 2, fa 2 directement comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois faire. Lire le journal de bord. Bah si, ça fait 15 fois. Comment ça me... C'est pas le journal de bord, ça, c'est un piano. Ça va être chiant ça. Alors, attends, le dos est là. Ok. Le cul est là. Le si est là. Si. Si. Mi. Fa. Mais je comprends même pas comment j'ai lancé le piano, j'ai juste relancé le journal de bord 16 fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, moi? Y? Y? 9? 4? 4? Y? U? Ah non. Je comprends pas ce que je fais. Bah pas U alors, je sais pas, 4. 4. 9. 4. Ça marche pas. Neuf. Un. Deux. Je...
Kaizen. Mais attends, le chat apparaît pas en fait sur le. Si? Quand tu parles. J'ai pas l'impression que ça apparaît sur le. Mais non, je peux ouvrir la barre de jeu. Pourquoi le chat apparaît pas? Il est où? Widget. Chatbox. Ça marche? Ah non, ça marche, c'est juste moi qui regarde trop tard à chaque fois. Alors, je pense que j'override l'antenna de l'hélix. Mais ce qui me choque un peu là-dedans, c'est que je comprends pas ce que je fais. 4 U U Y Y U Y U Y U 4 9 4 U 4 Y 9 Y 9 4 Ah, je vais me faire niquer au bout d'un moment. 9 Surcharge interrompue. Non, il y a quand même pas un lag de 10 minutes. J 1 K 1 J Q K je crois qu'en fait c'est quand je suis trop près des trucs rouges que ça fait quelque chose qui est pété. J K Non, mais en fait je comprends pas. Je comprends pas ce qui augmente ou pas le truc. 1 J K Q K J Q 1 K J Je comprends pas je comprends pas. U S J K U K J U J K S K S J U J U K U S K K K J Bon, j'ai réussi. Ah putain. J'ai l'impression qu'il y a moins de lag. On voit la sonde en plein dans sa chambre. Commander les sondes. Non, tu l'as pas dit. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah, mais oui, il faut que je dise ouvrir le sas. Pour les lacs, pas des masses. Ouvrir le sas. C'est pour ça qu'il a pas enlevé sa combinaison en fait. Sortir dehors. Quoi faire?
fermé D11. Ouvrir D10. Alors, je comprends rien à ce que tu me dis, Damien. Quel est le lag du son du micro? Enfin, de quoi tu parles quand tu dis le lag du son du micro? Enfin, je comprends pas. Ça veut dire quoi, encore moins? Il y a un lag dans le son du micro? Et des messages, enfin, quel lag dans les messages, vu que j'ai l'impression que tu vois les messages immédiatement. Pourquoi? Des précieux réaliser la pièce. Désolé, je comprends pas ce que j'ai. J'en reviendrai. Je vais juste lancer, contrôler les sons. Mais qu'est-ce qui me fait chier? Non? Ok. La vidéo, c'est... Ouais, mais alors ça, c'est... C'est que la vidéo lag, ça c'est ta connexion internet. Je suis désolé, Damien, j'ai plus rien. Enfin, si je peux baisser la qualité, mais je vais pas baisser la qualité. Alors, c'est le bordel. Laquelle est la plus proche? Bah là, il y en a une. Je crois avoir compris que tu disais que t'avais un énorme délai sur la vidéo. Et que mon micro était bas. Ce à quoi je te répondais. Pour la vidéo, que t'as un délai, ça vient de ta connexion, j'y peux pas grand chose. Pour le micro, je l'ai rapproché un peu et j'essaie de me rapprocher. Acheter 3, 4, D, F. Bah, je sais pas si t'as un problème avec ta fibre ou si c'est Twitch qui est caca. Mais enfin, la vidéo elle est en HD et en fait il n'y a pas de recompression ou quoi que ce soit. Donc bah, je ne vois rien. Il n'a pas voulu me montrer. Où est la fenêtre? Je vais me prendre le mur. Est-ce qu'il a explosé la fenêtre? Merde, je crois qu'elle est de l'autre côté, la fenêtre. Enfin, moi, j'ai zéro image perdue, Damien, donc... Oula.
Si jamais toi tu t'as la vidéo qui freeze, enfin en même temps ça ferait pas des freezes. Si ça freeze, c'est forcément ta connexion, je suis désolé. Parce que si moi j'avais un souci, en fait ça ferait pas des freezes, ça ferait des coupures. Je vais me cogner. Je ne comprends pas. Ou alors faut en envoyer plusieurs. Faut faire toutes les sondes. On va pas envoyer toutes les sondes dessus. Je comprends pas. Là, on est dans une partie du jeu que je ne comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être débile, hein, mais je ne sais pas pourquoi je fais certains trucs. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était l'inverse. Ça marche pas, mais d'accord, il faut que j'attende. C'est pas du tout Star Citizen, Angelus. Mais je veux pas que tu te vexes non plus, Damien. J'ai l'impression que tu le prends mal quand je te dis ça. C'est pas forcément des problèmes d'internet, hein, c'est peut-être juste que Twitch a des serveurs pourris et du coup ça marche mal, quoi. Ce qui est assez reconnu en général. Bon, du coup, elle a pété la fenêtre ou pas? J'ai du mal à comprendre. C'est là la fenêtre? Elle a pas pété, hein. Elle a pas pété, du coup, ça va être un peu galère. Alors, H, on va essayer peut-être de... Ouais, on peut lui donner des morceaux dans le désordre. Bon, alors là, j'ai envoyé plusieurs sondes. Ah. Ben, j'ai l'impression que là c'est bon. Mon problème c'est que j'ai plus beaucoup d'oxygène. Donc le truc c'est que vu que la fenêtre est pétée, je pense pas non plus que ça va être génial. Regardez celui-là. Ah. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas en fait.
Mais non, c'est pas ça. Je vais crever. Oui, d'accord, mais il n'y a rien marqué derrière. Il faut ouvrir la salle de bain, peut-être. Ok, donc il va ouvrir la salle de bain. Ça, c'est les toilettes, on s'en branle. Je suis perdu. Foutu là. Je vais tenter de ressortir, enfin de retourner au sas. J'aurais dû y aller depuis longtemps. Il est où? Il est où? Il est là, il est là. Je suis débile. Allez, dépêche-toi par contre. J'aurais dû me dépêcher. Je suis pas bien. Je vais crever. Je vais crever. Tu marches sur la queue d'un corbeau, c'est-à-dire quoi? C'est une expression qui veut dire que je vais crever. Là, c'est chaud, hein. Oh putain! On était vraiment limite. Bon, mais faudrait que je ressorte. Où chercher dans la chambre d'Anel? C'était très chaud. Kenine, viens ici. Tu arrêtes de me pleurer dessus. Tu vois pas que je suis occupé. Qu'est-ce qui se passe avec le son? J'ai vu s'il est pas top. Parce que j'ai eu ce retour de la part de Cowboy aussi. Et je ne suis pas certain de vous comprendre, car j'ai essayé de monter mon volume déjà, et je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Ouvrir le sas, on retourne là-bas. C'est chiant parce que du coup, il y a un petit temps d'adaptation. Je fais tomber mon téléphone. Bon, on retourne à la fenêtre. Au plus vite possible. Histoire qu'on ait plus de temps maintenant qu'elle est déjà ouverte en fait. Ah, le son de l'alarme. D'accord. Je comprends mieux. Bon, alors je me dis que peut-être, vu qu'on peut pas faire descendre le lit, parce que c'est vrai qu'en fait il est déjà ouvert, peut-être qu'on peut baisser le lit. Et on peut baisser le lit. Peut-être que c'est sur le lit. Qu'est-ce que...
Avec la couverture qui se balade. Ok, c'est bugué. Ah, j'ai le code. Il était là. 5905. Allez, je me casse. Parce qu'on le connaît, le jeu, il va encore scripter un événement chelou juste parce que j'ai découvert le code. Comme la dernière fois où je me suis retrouvé avec. Bah avec toute la chambre qui a explosé, hein. Quand j'étais dans l'autre chambre. J'ai les fenêtres qui ont explosé, je me suis retrouvé dans l'espace. Ah, attends, je suis très très mauvais en fait en. Ouvrir le sas. Bon, bah cette fois c'était vachement plus simple. Juste, j'aurais jamais eu le temps de faire ça tout à l'heure. Donc j'ai bien fait de m'arrêter. Fermer le sas. Ouvrir D11. Il va le faire après, en fait. Hein, je. Ah oui, je voulais tester de me mettre en hauteur. Bon, ça va, il remet la gravité de façon. De façon tranquille, quoi. Pas d'un coup sec. Allez, on ouvre des 11. Ah non, il a dit je peux pas physiquement faire ça. Ouvrir des 11. C'est quoi le but? Alors, le but en fait, tu t'es retrouvé en fait complètement. T'étais dans un vaisseau spatial de moderne et tout. Et tu t'es. Genre, moderne pour eux, c'est genre année 2030, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. Et en gros, tu t'es retrouvé. Bah, ton vaisseau s'est retrouvé face à des débris ou des trucs comme ça. Donc, du coup, c'était le bordel. Tu t'es retrouvé en plein milieu de l'espace. Et en fait, en plein milieu de l'espace, t'es tombé. Ta capsule de survie est tombée sur cet ancien vaisseau des années 70. Oui, 1970. Et en fait, il s'est passé, t'arrives dans le vaisseau et il y a l'ordinateur de bord qui est là et qui te répond à chaque fois que tu lui parles et qui est une intelligence artificielle. Donc c'est un vrai chatbot en fait dans le jeu et avec qui tu interagis pour ouvrir les portes, fermer les trucs et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le vaisseau. Et lui, le premier truc qu'il t'a dit, c'est il faut détruire les moteurs du vaisseau parce que sinon on sera condamné à errer autour de Jupiter, on ne pourra pas rentrer sur Terre, donc du coup il faut détruire le moteur pour que je puisse partir et rentrer, enfin que je puisse remettre le vaisseau vers le chemin de la Terre. Voilà. Et là, je vais appeler l'ascenseur. Mais du coup, j'ai enregistré. D'accord. J'ai enregistré en fait le premier épisode, comme je suis en train d'enregistrer là ce soir. Et donc du coup il est sur ma chaîne YouTube si tu veux aller le voir le début du jeu. Bah du coup qu'est-ce que je fais? Comment rentrer dans la chambre? Ouvrir la chambre. Bah voilà. Comment je peux faire? Parce que je vais pas pouvoir moi pirater le truc. Détresse. Ah oui, mais là il y a l'ascenseur. C'est ça l'ascenseur. Deck 0. Appeler l'ascenseur. Essayez pas de vous manger des orifices, s'il vous plaît.
Je ne comprends pas. Quels sont ces bruits d'oiseaux? Ah d'accord, c'est des faux oiseaux. Comment sortir d'ici? Ouais, c'est un indice. Donc il y a un rapport avec les oiseaux. D'accord. D'accord. Je fais quoi? Avec les origami. Qui vient de tomber. D'accord. Où sont les oiseaux? Où sont les oiseaux? Mais en fait, j'ai compris qu'il y avait des pliages. Un rapport avec l'eau? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis perdu. Bon, ça c'est pété. À un moment donné, je vais devoir arrêter parce que le chien veut qu'on s'occupe de lui. Il est chiant. Et en plus de ça, il va falloir que je fasse à manger. Donc je sais pas quand. Ah bah, je vais pas tarder. Hein. Je pense que malheureusement, on va s'arrêter là. C'est juste de comprendre que faire avec les origami. Je suis complètement bloqué. Non. Mais, enfin, je vois vaguement à quoi ça ressemble les grues, mais je cherche sur mon téléphone. Mais je comprends pas qu'est-ce qui me fait chier. Pourquoi? Genre. Alors vous voyez rien évidemment. Oh putain. Ceci est une grue. Ah, non. Ceci est mon écran, sans aucune lumière. Ceci est une grue. C'est bien, hein? Et le reflet de la webcam également. Ben, qu'est-ce que ça, ça peut m'apporter? À part, il faut des grandes jambes. Que faire avec les grues? Ouais, ok. Quel est l'indice? Vraiment, je comprends pas l'énigme là. Parce qu'il y en a partout. Il y en a plein là. Il y a un olivier, parce que c'est un symbole de paix. Mais en fait, je vois pas qu'est-ce que je fais avec tout ça. Les oliviers aussi. Mais du coup, que faire? Désolé. Arnel avait toujours cette ventelette sans le mort des forces si elle fit son âme.
Bah non, je peux pas interagir avec les objets, je peux pas les prendre ou quoi en fait. En fait, je peux juste les regarder et ça me met une description de ce que c'est. Pas toujours, mais. Je peux vraiment. La seule interaction que j'ai, c'est avec l'ordinateur. Oui. Où est la suite? Le manche de l'espace, ouais, c'est ça. Bon, bah, je ne sais pas. Bon, bah, je vais aller faire à manger. Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je continuerai. Probablement dans la semaine ou demain. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça, au gris en papier. Si une idée vous vient, Damien ou Angé, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, parce que là, j'ai aucune idée. J'ai pas plus d'infos que vous. Qu'est-ce que quel rapport avec les grues? Australie? Ah, mais en fait, il s'est bloqué là, il répète tous les trucs jusqu'à ce que je comprenne l'énigme, mais je comprends pas. Bon, et eh ben tant pis. Merci d'être passé. On se revoit une prochaine fois. Je vais m'occuper de faire à manger. Je vous fais des bisous, je vous remercie. Je vais tout couper. À une prochaine fois, bonne soirée à vous. Et à bientôt sur YouTube aussi.